Dans un groupe où personne ne gagne, à part Salzbourg, si est-il le genre de 0,0 qui ressemble à une occasion manquée. Mais le LOSC a dû se contenter du partage des points contre le FC Séville, comme face à Wolfsburg lors de la première journée. À la différence notable que, s'il avait copieusement dominé les Allemands au mois de septembre, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont cette fois manqué d'inspiration pour réellement inquiéter le récent quatrième de Liga. La seule occasion des champions de France a été pour Renato Sanchez. Qui a été le Lillois le plus remuant pour ce qui était seulement sa deuxième titularisation de la saison, après son retour de blessure. Mais le milieu portugais a manqué sa frappe, tirant directement sur Yacine Bounou alors qu'il était seul face à lui, 37e. En face, Séville a cru au but sur une frappe de Rafamir, sauvé sauvée par Thiago Jallo sur sa ligne, 20e. Et Lucas Campos s'est montré dangereux à plusieurs reprises, 31e, 33e, 40e pour le reste, pas grand-chose à signaler, surtout dans une seconde période marquée par un important déchet technique. On a été solide défensivement, mais ça manquait un peu de justesse technique pour la dernière passe pour créer des occasions, a reconnu le capitaine José Fonte sur Canal Sport. En première mi-temps, on a une bonne occasion avec Renato. On n'a pas marqué mais on continue on a trois matchs encore, il faut continuer à se battre pour se qualifier. Lille avance au ralenti, mais rien n'est perdu, en effet. Ami, parcours, dans un groupe largement dominé par le surprenant Red Bull Salzbourg. Le Losc vire avec seulement un point de retard sur le deuxième Séville, qui n'a pas beaucoup plus avancé avec ses matchs nuls. Tout reste possible donc, mais le club nordiste reste en ballotage défavorable puisqu'il lui faudra se déplacer à deux reprises sur les trois dernières journées. Le voyage à Séville, dans deux semaines, vaudra cher. Avec ce match nul, le Losc préserve toutes ses chances de qualification à mi-parcours Losc Séville UCL. losc Live, octobre 20. 2021